Salut, salut, on se retrouve pour un nail art d'automne, comme vous avez pu le voir dans la miniature. Donc la construction, c'est du polygel, donc c'est pour ça qu'il est rose, parce que j'ai fait un crash test, et du coup j'ai pris une rose pour qu'on voyait un peu mieux, donc faites pas attention aux petites bulles. Hein. Pour la première pose, voilà, il y en a quelques-uns qui sont un peu massacrés, mais on verra bien combien de temps ça tient. Donc je vous mets le test du polygel juste ici dans la petite fiche, si vous voulez aller voir. Donc, on va commencer par appliquer les couleurs. Donc, pour ça, j'utilise 4 couleurs du kit de 36 couleurs que j'ai commandé sur AliExpress. Nous avons du marron, du rouge, de l'orange et du jaune. D'ailleurs, je suis en train de regarder que je vais peut-être changer le orange. Celui-ci est un peu trop fluo peut-être. Hein. Et en jaune... Non, je vais peut-être garder ce jaune-là plutôt. Ce orange-là et ce jaune-là. Voilà. Donc voilà, je ne les ai pas payés bien cher. Et ma foi, je ne les ai pas encore testés sur les ongles. Mais sur les petites capsules, là, c'était pas mal à l'application. Donc on va utiliser ça aujourd'hui. Donc, je vais commencer par le marron. Alors, je vais prendre mon petit présentoir d'ongles, de doigts. Voilà, comme ça, j'aurai peut-être plus facile à rester centré pour vous montrer. Et voilà. Donc, je prends le marron. Donc, bien sûr, je vous mets tous les produits en barre d'infos, les liens des produits en barre d'infos. Donc, je prends mon pinceau numéro 6 qui vient aussi de chez AliExpress. Donc, c'est un pour le gel. Alors, je vais déjà commencer par le pouce. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos dans ce sens-là, quand je filme dans ce sens-là, ou si vous préférez quand je filme de côté. Parce que comme là j'ai rechangé de bureau, c'est un peu, je ne sais pas encore comment je vais me mettre. Donc vous voyez que déjà avec une couche, il y a déjà une belle opacité. Hein. On va quand même en mettre deux, mais avec une, c'est déjà pas mal. Donc, je catalyse à chaque fois une minute entre chaque couche. Voilà, je vais donc pouvoir mettre ma deuxième couche. Alors, je ne sais pas... Ouais, il laisse un fini collant, hein, je vous le dis. Donc, parfois, il y a des gels de cette collection-là. Collection, enfin, de ce kit-là, qui ne sèche pas aussi bien. Donc il suffit de le laisser plus longtemps et de toute façon une fois que vous appliquez le top coat, ça sèche quand même avec le top coat. Donc vous voyez que la couleur est vraiment magnifique quand même. Donc ce que je vais faire, je vais terminer le pouce vu que comme ça laisse une trace collante, c'est pour pas. Enfin une couche collante, c'est pour pas laisser de traces dans le vernis. Donc je vais tout de suite passer à la finition, à la décoration du pouce. Enfin, en partie ou pas, je sais pas, je vais peut-être le faire en entier. Donc pour ça je prends 3 petits bouts d'éponge, donc c'est les éponges à maquillage qu'on trouve, vous savez, qui ressemblent à un triangle, et je prends les 3 autres couleurs. Donc soit vous prenez directement après dans le petit godet, soit vous mettez sur une petite assiette ou quoi. Là je pense que je vais le prélever directement. Donc voyez, le rouge par exemple, il y en a beaucoup moins dedans. Après je m'en fous parce que le rouge j'aime pas trop sur les ongles. Et je vais prendre ma petite pince, je vais prendre un petit, d'ailleurs j'aurais peut-être pu faire encore des plus petits parce que là c'est peut-être un peu gros. J'essayais de le pincer correctement. Et je vais commencer par prélever un petit peu de rouge, donc pas trop. Hein. Et je vais tapoter sur mon ongle. Donc après je prends le côté propre pour enlever un petit peu du surplus. Je fais exactement la même chose avec l'orange. Donc je ne sais pas si ça va aller ou si je dois catalyser entre chaque couche. Je pense qu'avec le jaune, je vais devoir catalyser quand même avant de mettre le jaune. Voilà, je vais faire une catalysation flash d'une petite dizaine de secondes. Et je fais pareil du coup avec le jaune. Et je catalyse le tout une minute, même 90 secondes, puisque j'ai mis plusieurs couches.
Je vais mettre donc, comme ça je finis entièrement le pouce. Je vais mettre le Top Coat Elite 99, donc c'est le matte Top Coat. C'est également un no wipe, donc c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas besoin de cleaner par-dessus. Alors je suis en train de me tâter, voir si je le laisse comme ça. Ou si je mets des petites décos. Je voulais faire une ligne de comme ça, mais je pense que je vais le laisser comme ça en fait au final. C'est quand même joli comme ça. Ouais, donc je vais le catalyser 90 secondes. Donc voilà ce que ça donne en mat. Alors ça n'a pas matifié absolument partout. J'ai dû zapper quelques endroits, mais je n'ai pas envie d'en rajouter parce que j'ai peur que ça fasse de trop. Donc voilà, je ne suis pas fan du mat, mais ma foi. Si, je vais quand même mettre une deuxième couche. Parce que ça fait trop bizarre qu'il y ait des endroits où c'est pas mat. Donc je mets une deuxième couche et on continuera le reste du nail. Voilà, c'est terminé. Donc nous allons être moins embêtés pour les autres ongles. Donc je vais mettre une première couche, toujours du marron. Donc je mets sur l'ongle entier, sur l'annulaire. Sur les trois ongles, les trois doigts restants, on va faire un dégradé donc du marron. On va faire ici en jaune, ici en orange, ici en rouge. Donc il faut que je mette moins de produit et on va faire à chaque fois deux couches aussi. Donc j'ai déjà commencé par appliquer le marron partout. Donc ici c'est l'ongle 4K. C'est le premier que j'ai fait en polygel et il est dégueu. Mais ça tiendra le temps que ça tiendra, ma foi. Voilà pour la première couche de marron. Alors je vais prendre les autres couleurs, donc le rouge. On commence par le jaune et le orange. Donc je prends un autre pinceau, j'applique d'abord la couleur sur le reste de l'ongle. J'essuie le surplus et ensuite je viens balayer ici au milieu. Donc j'ai nettoyé mon pinceau avec un petit peu de cleaner et on fait pareil sur l'autre doigt avec le orange. Et sur le petit doigt avec le rouge. Et je catalyse une minute avant de faire la deuxième couche. Donc on recommence le même procédé. Je vais commencer par le marron, surtout l'annulaire. Et ensuite je refais une deuxième couche sur mes dégradés. Et je catalyse le tout pendant une minute. Voilà pour les dégradés. Je ne vous raconte pas le rouge, comment ce qu'il fait sous la lampe UV, c'est trop beau. Donc maintenant, on reprend les couleurs automnales. On reprend les petites mousses et on fait pareil sur l'annulaire. Donc, je prends un petit peu de rouge, un petit peu plus. Et on catalyse une minute. Donc, nous allons passer à la partie déco. Je vais d'abord commencer par celui-ci. Je vais mettre un water décal, donc pour ça je vais prendre celui-ci, c'est des arbres morts, donc vous avez au-dessus les noirs, en dessous les blancs, donc j'espère que le noir sortira bien parce que j'ai pas envie de mettre un blanc. Donc je vais prendre le modèle ici, puisque c'est un des seuls que j'ai en double, c'est pour ça que j'en ai pas mis sur le pouce. Alors je me tâtais à les faire avec un liner, et puis finalement je vais quand même utiliser le water décal, ça va beaucoup plus vite. Donc je prends un petit peu d'eau, j'enlève la protection en plastique si j'y arrive. Voilà. Et on le met trempouillé pendant 30 petites secondes. Et on essaye de le faire glisser. Ouais, ça glisse tout seul. Donc je le prends sur mon doigt. Ah, l'achat. Et je vais donc appliquer l'arbre juste ici. Ouais, bon, c'est discret, hein. C'est beaucoup plus discret que ce que je ne pensais. Je ne sais même pas si vous allez le voir. Donc, j'enlève celui-là et on recommence. Je vais plutôt prendre le premier ici au-dessus, qui est un peu plus épais, donc on le verra peut-être un peu mieux. J'ai pas enlevé la protection plastique. Oh, mais quel con. Bon, bah, il a transféré sur le truc en plastique et j'arrive pas à le récupérer. Youhou!
Bon, bah, il a transféré dessus, je ne sais pas l'utiliser. On recommence avec un autre. Donc, bah, les seuls que j'ai encore en double, c'est soit celui-là, mais on ne verra pas. Donc, je vais prendre celui-ci maintenant. On va tous les faire et pour finir, j'en aurai pas sur les doigts. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ouais, on voit un peu plus. C'est pas encore ce que je pensais, mais on fera avec. De toute façon, j'en ai pas 50 000 à utiliser. Hein. Donc, voilà pour le Water Decal. Ce fut compliqué, cette petite chose. Donc, je vais préparer mes strass rouges. Alors, je vais mettre mon top coat mat. Voilà. Et je vais mettre trois petits strass rouges pour faire un peu comme si c'était des pommes. On va faire genre un. Si j'arrive à les attraper. Donc, on va les mettre sur l'arbre. Moi, en bas. On verra que c'est bon. Et je catalyse de nouveau 90 comptes. Donc voilà pour l'annulaire qui est terminé. Donc j'ai mis une deuxième couche une fois que j'ai mis les strass pour bien les sceller et pour bien matifier l'ongle. Donc on va passer aux autres. Donc pour les trois autres, je vais faire la même chose. Je vais mettre le top coat. Et je vais mettre un petit losange comme ça, juste au niveau des cuticules. Donc c'est des planches d'autocollants qui venaient de chez Action il y a très longtemps. Donc j'en attrape. Hein, si il me veut bien, et je vais le mettre juste ici, et je fais une catalyseur flash de 10 secondes pour plus qu'il bouge, et je fais pareil sur les deux doigts restants. Et donc voilà, j'ai terminé mes 10 doigts. J'ai rajouté des strass sur les pouces parce que je trouve, pour faire un rappel de celui-ci, je trouvais que ça faisait plus joli. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Alors le top coat mat n'est pas top top puisque il faut quand même deux couches pour qu'il soit bien mat. Et encore, il y a certains endroits où j'ai dû en rajouter une troisième et je ne les trouve pas super mat. Il y a des endroits où ici c'est encore un peu brillant. Enfin voilà. Mais bon, pour l'automne, et puis j'aime pas trop le mat, donc ce n'est pas le genre de manucure que je ferai souvent, en mat du moins. Mais j'aime beaucoup pour l'automne, je trouvais que c'était c'était pas mal. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Prochain nail art, on se retrouve pour le nail art d'Halloween. Sachant que je ne vais pas garder ces ongles là jusqu'à Halloween. Hein, je vais certainement changer d'ici là, mais en principe, je ne vous montre pas parce que je mets juste à ce moment-là, je mets juste un VSP, je ne fais pas un nail art très poussé, je mets juste un. Je change juste de couleur. Et voilà, donc on se retrouvera pour celui d'Halloween pour les ongles. Et la prochaine vidéo, je ne sais plus ce que c'est. Ah bah si, on se retrouve pour le make-up d'automne, donc qui sera assorti à mon nail art, bien sûr. Je vous avais demandé sur Instagram si ça pourrait vous plaire ce genre de vidéo, à chaque fois faire un make-up avec. Assorti au nail art que je vous ai fait juste avant, et vous avez été nombreuses à me dire oui, donc on fera ça donc dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si ce nail art vous a plu, et donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous.